puisse dire, c'est qu'on s'est offert une entrée royale, Micheline et moi. Alors nous sommes à Fontainebleau, à peine 70 km de Paris. Évidemment, on pense à cette magnifique forêt, l'un des trésors de la biodiversité française, mais aussi et surtout au château qui est devant nous. On est au pied de l'escalier en fer à cheval. Alors ce château, à lui seul, il pourrait raconter l'histoire de France depuis sa construction au XIIe siècle, en passant par François Ier, qui en fit l'un des fleurons de l'architecture renaissance, en l'occurrence renaissance italienne, jusqu'à Napoléon Bonaparte, Napoléon III, qui lui ont rendu sa splendeur. Alors il y a le château de façade et puis il y a les coulisses que l'on va découvrir. On allait rendre visite tout de suite au tapissier du château. Et nous, on aime bien se faufiler comme des petites souris. Mais rassurez-vous, Fontainebleau, ce sont les ors du château. Mais c'est aussi un patrimoine gourmand, un peu moins connu peut-être, avec le raisin chasselas, avec les coquelicots, avec le miel du Gâtinais, du sucre d'orge, le Fontainebleau qu'on connaît tous, ce fromage plus ou moins. On va goûter tout cela, transformé par les gens que nous allons rencontrer. Et on commence donc par le tapissier. Depuis 40 ans, Hubert, tapissier en chef, arpente le château pour repérer le mobilier à rafraîchir. Il maîtrise les différents styles qui ont habillé les lieux, mais possède également plusieurs cordes à son arc. C'est lui qui détient les clés des portes dérobées du château, puisque, horloger à ses heures perdues, il remonte chaque jour les horloges royales. Un savoir-faire qu'il transmet actuellement à Charlotte. Ça devrait être là. Bonjour Hubert. Oui. Bonjour, bonjour Julie. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très vous bien. Vous avez amené le soleil? Bah, il semblerait. C'est parfait. Oui, absolument. Bon, voulez que je vous emmène écoutez, quelque part, non? Est-ce que vous voulez aller voir les petits appartements? Vous voulez voir le clocher? Vous voulez voir quoi? Alors, vous faites tout, vous? Vous faites visite guidée, tapisserie, clocher? Comme ça, de ce que je connais, hein, sinon je laisse ça aux pros. Hein. Et c'est parti pour une parenthèse enchantée. Pardon. Le PC pour Hubert, je vais aller dans les petits appartements. Datant du règne de Louis XV, qui avait fait installer une série de petits cabinets réservés à son usage, ces appartements furent remaniés dès le Premier Empire et destinés à Napoléon et Joséphine. Celui de l'empereur comprend les bureaux de ses secrétaires et des passages intérieurs permettant de les relier aux grands appartements des souverains au premier étage. Ils avaient le téléphone et tout, hein? Non. Ça, c'est à rajouter. Non, mais regardez, il y avait... Ah, mais ils avaient les commodités. Oui, oui. C'est déjà bien. Alors là, c'est un boudoir. Qu'est-ce que c'est? Ils appelaient ça la salle de bain parce que, dans le temps, le canapé, il y avait une baignoire en dessous. C'est pour ça que nous avons fait un saut. Ça s'appelle un psyché. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, les femmes connaissent, hein, ça fait un peu... Bon, c'était pour l'empereur, mais il était un peu coquet, il devait faire sa toilette et tout. Ça. Est-ce qu'on a une idée de la surface du château? Combien de pièces? 1800 environ. 1800 pièces? Oui, archivées, mais le public, il n'en voit pas. Oh non. Ah oui, j'imagine. Hubert, où sommes-nous, là? Dans l'escalier de la reine et le tableau de chasse. Oui, parce que c'est aussi pour ça que Fontainebleau était si prisé. D'abord parce qu'il était proche de Paris, mais parce qu'ensuite, il y avait la forêt de Fontainebleau où les souverains pouvaient aller chasser et faire venir d'ailleurs d'autres souverains du monde entier. Bah, ils venaient que 3 mois par an. Hein. À peu près, c'est ce qu'ils disent. Et là, vous nous emmenez où, Hubert? Au clocher. Au clocher, la porte dérobée. Tout à fait. Pas devant. Je suis mal poli, mais je suis obligé. Allez-y, au cas où il y a des brigands, il vaut mieux. Ah oui, dis donc, quel mécanisme! Ah, vous avez vu? Ça, c'est la grande horloge du château? Oui. Et elle date de quelle époque? Ah, de Napoléon, donc en 1812. C'est la même qu'il y a Notre-Dame, hein, à peu près. Mais c'est le même mécanisme. Et là, vous devez la remonter tous les jours? Non. Faut l'ajuster, faut la régler. Disons qu'on tient nous tous les... Allez, on va dire 10 jours.
Ça fait du sport en même temps. Moi, je dis qu'ils étaient vraiment merveilleux à cette époque. C'était vraiment des artistes. Regardez-moi, c'est bien fait. Hein. Ah ben c'est vraiment un travail d'orfèvre. Hein. C'est vrai que c'était extrêmement perfectionné. Finalement, tous les avancements technologiques de l'époque sont présents dans le château. Hein. Bah, tout à fait. On était à la pointe. Et là, voilà, c'est vrai. Allez, je vais vous laisser le plaisir d'avancer. Merci. On évite de marcher sur le tapis, j'imagine. Ça va très bien. C'est magnifique. Alors ça, c'est la chapelle du château. Oui, chapelle Trinité qui est encore... Comment vous dites chapelle ? Trinité. C'est celle qui a été installée par Saint-Louis. C'est ça. Elle est très baroque, hein ? Oui. Elle a été remaniée au fur et à mesure des règnes. Une chapelle qui abrita de grands événements historiques. C'est ici que fut célébré le mariage de Louis XV ou encore le baptême de Napoléon III en 1810. Ça fait rêver. Moi, je vais continuer la visite du château avec Marie-Laure maintenant. Ah bah très bien. Bon. Elle est en charge des travaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Hubert, merci pour cette visite. Prie, c'était un vrai privilège. Voilà. J'ai l'impression d'avoir traversé 800 ans d'histoire en quelques heures. Ah bah ça, c'est vrai. Je vous fais un bisou. Merci beaucoup. Merci, au revoir Charlotte. Au revoir. Marie-Laure, pour les agents des grands appartements, on va tourner salle du conseil. Marie-Laure dirige le service des travaux et maintenance et fait en sorte que toute la maison, comme elle nomme le château, soit en bon état pour émerveiller les visiteurs. Fermée le mardi au public, l'équipe de Marie-Laure a 24 heures, pas une minute de plus, pour tout restaurer. Justement, en ce moment, du côté de la salle du conseil, ça s'active. Les intérieurs, mais aussi les extérieurs, sont passés au crible par Marie-Laure. Et d'ailleurs, afin d'alimenter les bassins, la table des rois, mais aussi les fontaines mises à la disposition des Bellifontains, 19 sources étaient et sont toujours collectées et acheminées via 2 km de canalisation. C'est sous la maison du fontainier que Marie-Laure nous conduit découvrir de plus près l'ingénieux système. Ce qui est assez merveilleux et étonnant, c'est que ces installations, ces aqueducs, fonctionnent toujours parfaitement. Il n'y a pas de système électrique, il n'y a pas de pompe, il n'y a aucun moyen mécanique rajouté. Et simplement un système gravitaire et qui fonctionne depuis que ça a été construit par les rois. Là, on remet en propreté tout le bassin et donc on surveille la qualité de l'eau pour garder effectivement des plans d'eau très propres. Bon, en tout cas, c'est bien, bon travail. Merci Richard. À plus tard, à tout à l'heure. Laissons Marie-Laure à ses occupations. La journée sera une fois encore trop courte pour tout examiner. Je reprends le volant pour aller à la rencontre de mon premier cuisinier en pays de Fontainebleau. Qui est une petite ville limitrophe de Fontainebleau. Et nous sommes chez Jean-Michel, qui a un bien joli potager d'ailleurs. Alors Jean-Michel va nous proposer de cuisiner des cailles aux raisins. Et en parlant raisins, parlons rapidement de treilles royales, en nous offrant un bref aller-retour du côté du château, le long du mur d'enceinte, où pousse le chasselas, ce délicieux raisin de table. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la pierre. Une culture initiée par Louis XIV qui en raffolait. Et figurez-vous que cette treille continue de produire. Dominique et Geneviève de l'association de la Treille du Roi sont nos éclaireuses du jour. Alors la tradition était qu'on écrase du raisin dès qu'il était mûr et on le buvait frais. Et ça permettait de nettoyer les intestins, enfin c'était très prisé par les gens de la fin du 19e siècle. Mais l'on pouvait aussi s'en délecter hors saison grâce à une incroyable technique de conservation. Alors là, c'est une antiquité, maintenant on ne s'en sert plus. Mais ces petites verrines étaient remplies d'eau. On mettait du charbon de bois pour éviter que ça pourrisse. Vous mettiez votre grappe et vous pouviez monter dans votre grenier pour aller déguster votre grappe. Oui, en plein hiver, ce qui est génial. Hein. Oui.
Et je dis toujours Fontainebleau a sa treille du roi, alors que Versailles a son potager du roi. Nous avons notre treille, ah, c'est oui. Inimitable. Quittons le raisin royal pour nos cailles impériales. Bonjour Jean-Michel. Ah bonjour Julie. Oh, mais quel jardin de rêve, c'est un Éden. Un mini Éden. Un mini Éden qui doit demander beaucoup de travail. Donc là, vous êtes en pleine cueillette de haricots. Voilà, tu vois, je suis en train de cueillir des haricots qu'on va manger avec nos cailles. Ça dépend de la saison. Demain, on fera peut-être différemment. Pour le banquet ? Pour le banquet, oui. Ah, mais c'est vrai que vous êtes... On se tutoie, allez. Oui. Allez, c'est vrai que tu es un ancien traiteur, toi. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que tu as quelques facilités à recomposer les plats, les réinventer. Les réinventer, c'est un bien grand mot, quoi. Il faut rester quand même sur des bonnes bases. Mmh. Mais après, la saison... S'adapter à la saison. Est-ce que tu veux que je t'aide à cueillir tes haricots ? Ben, tu bien as sûr. Fini. Allez. Voilà, aujourd'hui. Attends, je vais passer par là. Oh, ils sont beaux. Donc là, on va cuisiner un plat de Fontainebleau. Ben puisque oui, là, il y avait une tradition de cuisiner le raisin à la caille. Fontainebleau, ville impériale. Ville impériale. À sa caille impériale. Eh ben, dis donc, mais la barre haut, hein. Ah, j'espère. Très royal et caille impériale. Eh ben, avec ça, si on se loupe. Eh ben oui, on sera pas bon. Nous voilà dans ta jolie cuisine. Oh, ben, dis donc, tu t'es bien avancé déjà. Ouais, oui, voilà. Donc voilà on les cailles impériales. Julie, je te donne un tablier. Ah, ben, avec plaisir. Toujours mieux. Pour farcir les cailles, demandez à votre boucher de les vider. Maintenant, tout est dans le coup de main. Il faut les désosser en prenant soin au préalable de décoller les chairs. On tire. Oh, ça s'enlève comme un gant. Hein. Ah, tout à fait. D'accord, et donc voilà. Tiens, je connaissais pas. Donc là, je vais y essayer. Tu vas jusqu'au bout. J'entaille jusqu'au bout. T'es arrivé. Mais t'es une chef. Hein. Bah, écoute, non, voilà. Pas vraiment, mais. Si, ça si, 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 si. Et là, maintenant. Alors, et là, maintenant, j'arrache tu toute la carcasse. Et tu tires. Je tire, dis donc. Hop. Viens là, ma petite caille. Ma petite caille, chérie. Voilà. Tout ça. Eh bien, c'est bien. Nous commençons par rapidement pocher notre raisin blanc dans de l'eau bouillante pour le peler plus facilement. En saison, préférez le chasselas dont la peau très fine n'a pas besoin d'être pelée. Nos raisins pour farcir sont prêts et on va, pendant ce temps-là, préparer le bouillon. Ah d'accord, tu fais un petit fond avec les carcasses. Un petit fond avec les carcasses, okay. Tu coupes 2-3 carottes, poireaux, un petit peu de queue de persil. Et les oignons, les oignons, tu en mets un demi. Ah, c'est bien, mais t'as un bon coup de couteau, Julie. Bah tu sais, mine de rien, t'es un moment que je tourne dans les cuisines. On va rissoler. Oula, ah oui, elle est chaude. Pour démarrer la farce, je cisèle des échalotes que nous faisons revenir dans de l'huile d'olive. Quant au fond, il peut maintenant être déglacé au vin blanc sec. La moitié. C'est bien. Je frappe les sucs. Reste alors à mouiller à l'eau, suffisamment, pour recouvrir les carcasses. Suite de la farce, Jean-Michel découpe de la poitrine de porc fraîche, non salée. Et comme rien ne se gâche, les foies et gésiers trouvent leur place dans la préparation. Ils serviront d'ailleurs de liant pour notre farce. Bah dis donc, c'est pas du foie de caille, ça. Alors, je vais t'expliquer. Tu rajoutes du foie de volaille, voilà. C'est ça. On me la fait pas. Ah oui, oui, je vois que t'as l'œil. Les foies de volaille à peine saisies, nous les passons au robot avec la poitrine de porc et ajoutons alors une pointe de sel. Alors par contre, le sel, là maintenant, est très important parce qu'il fait ressortir l'albumine de la viande et c'est ce qui va permettre de se lier. On va mettre maintenant le reste de la viande. Ah bon ? Mais alors pourquoi on ne l'a pas mis au début ? On ne l'a pas mis au début de manière à avoir quand même une farce avec un petit grain. Ah parce que ça, on va moins le mixer. Moins le mixer. Eh, c'est subtil chez Jean-Michel. Hein. Non, c'est oh là juste... Là, attention, on est chez les professionnels. Pour... Hein. Avec la cuillère, on fait comme un genre de... De quenelle. Voilà, oui, c'est très bien. C'est une vraie quenelle ou... Ah, mais voilà. Oh, bah, écoute... Ah ouais, rien ne t'est impossible. Hein. Ah, mais moi, tu dis quenelle, je fais quenelle. Tu sais, je suis assez docile. Hein. Alors, maintenant, on met nos raisins. On met nos raisins.
dedans. Comme ça, là? Voilà, tu les rentres carrément dedans. Tu en mets trois. Trois. Ouais, c'est voilà. Joli. Hop. Deux. Et trois. Alors, maintenant, je te montre. Tu appuies bien, ouais. Là, carrément. Tu vas au fond. Tu les enfonces complètement. Tu les enfonces et avec... Tu fais bien... Ah, tu refermes la farce, voilà, d'accord. Tu remontes bien la farce d'accord. dessus. Alors, pour mettre la ficelle, je te donne une technique. Vas-y. Pour pas qu'elle se barre partout et puis tu la cherches. Tu la mets là, comme ça, tu vois. Ah, toc. Pas bête. Petite démonstration de Jean-Michel pour brider sa caille. Et à mon tour, c'est parti, en n'oubliant pas de caler la ficelle comme l'astucieux cuisinier. Bon, écoute, Julie, le bouillon, là, il a bien marché. Le bouillon est bon? Ah oui, oui. Alors, par Dis-moi. Contre, pour les cailles, on va mettre les trois cailles là-dedans. Ouais. Seront pochées. Tu vides le bouillon dessus. Tout le bouillon, je les recouvre, en fait. Tu les recouvres bien. Le thermomètre à cuisson. Oh non, commence pas à prendre ton thermomètre de cuisson. Mais si, là, Julie, c'est facile. Au doigt et à l'œil. Ah. Chacun son école. Il faut attendre quelle température? 85. C'est précis. 85. À 85, on va les laisser 40 minutes. 40. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il y a la farce. Oui, il y a la farce. Il faut vraiment cuire à cœur. Et maintenant, si vous n'êtes pas encore perdu, Jean-Michel pousse très loin le raffinement. Nous débutons une sauce avec 30 g de beurre et autant de farine. Tu fais un petit calcul? Ah oui, elle n'est pas tarée du tout. Non. Elle est à combien? Elle est à 165, festoche ça, donc 195, d'accord. Bah c'est bien, Julie. Mais c'est bon pour le calcul mental, ça, tu vois. T'as raison. Enfin, c'est quand même plus pratique avec une balance électronique. Ah hein. Oui. C'est bon. Le tout pour réaliser un roux. Tu veux un roux blond ou un roux un peu plus soutenu? Blond, bon, mais quand même pas cru. Hein. Il faut que la farine cuise, quoi. Voilà, voilà. Jean-Michel mélange des jaunes d'œufs à de la crème, puis allonge avec le jus de cuisson des cailles qui a été préalablement dégraissé. Alors là, je pense qu'il faut arrêter la cuisson. Oui, alors, quand le roux, il commence à mousser, bah oui, c'est ça. Voilà, donc c'est très bien. Cuit, hein. C'est très bien, Julie. Et là, tu vides en une seule fois et d'un coup. D'accord, d'un coup. D'un comme coup. Pour une béchamel, quoi. Exact. Voilà, vide d'un coup. Bon, bah là, on est bon. Je vais... Allez, noter tout ça sur mon petit carnet, si tu veux bien. Et je reviens quand les cailles seront cuites. Ça va? D'accord. Pour les cailles farcies au raisin façon Jean-Michel, procurez-vous 6 cailles vidées par votre volailler, abats mis à part, dont un foie de volaille supplémentaire, 250 g de poitrine de porc, 2 carottes, 2 échalotes, 1 verre de poireau, 20 centilitres de vin, de l'huile et du beurre, mais aussi 30 g de farine, 30 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à soupe de miel, 10 centilitres de crème liquide, 200 g de raisin chasselas en saison ou de raisin blanc, quelques-uns pour farcir les cailles, les autres revenus dans du beurre et du miel du Gâtinais pour les caraméliser avant de les déglacer au vinaigre de coquelicot. Récupérons nos cailles qui, après avoir été pochées 40 minutes, ont été colorées dans du beurre et de l'huile. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Le plat est nappé de notre sauce, les demi-cailles installées et à leur tour nappées. Et c'est maintenant touche subtile que nous ajoutons nos raisins caramélisés et déglacés au vinaigre de coquelicot. Ne perdons pas une seconde pour nous régaler de ces cailles de chef avec Françoise, l'épouse de Jean-Michel, qui nous a installé une table au grand air. Elles sont délicieuses, oui, ces cailles, vraiment. Et puis, je trouve qu'il y a un équilibre entre les textures, avec le moelleux de la farce, les chairs qui restent quand même assez fermes, le raisin qui apporte ce côté sucré-salé, mais pas trop. Oui, oui. C'est très, très fin. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Surtout, j'ai appris à désosser une caille. Ah, voilà. Ce qui sert dans la vie. Alors, est-ce que tu serais capable de me refaire ce plat pour une dizaine de personnes, pour demain, puisque vous êtes évidemment les bienvenus à notre banquet. Merci. Et que je crois que si je leur raconte que j'ai mangé des cailles au raisin la veille, cuisinées de surcroît par Jean-Michel, ils vont en avoir ça, envie. C'est... Bon, Françoise, tu m'aideras, là, parce que ce matin, Julie m'a aidé. Oui, bien mais, sûr. Hein. La première fois que je l'ai vue,
Elle dormait à moitié nue et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Vous l'aurez compris, le territoire du Gâtinais est très florifère. Et on trouve notamment une fleur devenue emblématique de la région, le coquelicot. Et oui, le climat semble s'y prêter, se prêter à sa culture, le coquelicot de Nemours. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors nous, on va rencontrer Denis, qui a monté une chocolaterie. Mais vous verrez qu'il ne fait pas que des chocolats. Et ça tombe bien, parce que moi, je vais faire quelques emplettes. Je vais acheter ma liqueur de coquelicot, mes bons becs. Parce qu'ensuite, on va aller préparer une délicieuse tarte aux framboises. Je suppose qu'elle est délicieuse parce qu'elle est préparée par un excellent pâtissier. Oui, on fait une petite entorse à la règle des carnets. Pour une fois, on s'adresse à un professionnel, Frédéric Cassel, qui est implanté ici à Fontainebleau depuis 20 ans et qui va nous proposer une tarte 100% terroir, framboise locale, le fameux Fontainebleau, cette crème fouettée au fromage et puis les bonbons de coquelicot. Que dire de mieux ? Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. La ville de Nemours est sans conteste la capitale du coquelicot en Île-de-France. Avec ses champs empourprés du printemps à la fin de l'été et son bonbon reconnu pour soigner la toux. Denis Julemier, qui a relancé cette spécialité, investit avec son équipe chaque matin en saison les terres en jachère des environs pour recueillir à la main les fleurs sauvages. Environ 200 kilos de pétales chaque année. Alors, historiquement, le coquelicot dans notre région pousse grâce à une terre qui lui est propice. Ça avait disparu après-guerre avec les cultures intensives. Et grâce à la culture aujourd'hui raisonnée ou les cultures biologiques, le coquelicot renaît dans notre région. Direction l'atelier pour, dans la foulée, travailler les pétales avant qu'ils ne flétrissent. Ils sont étalés quelques heures pour laisser s'échapper les insectes et pouvoir les transformer, le plus souvent grâce à la distillation pour en extraire l'arôme. On va faire trois préparations différentes. On va faire une purée de pétales pour les confits. On va en faire sécher. Et les pétales séchés, on va les broyer et on va les incorporer dans toutes nos fabrications. Et en plus de ça, il y a une troisième préparation qui est très importante, c'est la préparation de l'arôme de coquelicot. À partir de cette matière première, on peut réaliser le fameux bonbon, mais aussi notamment le confit à l'ancienne dans des bassines en cuivre. Là, on est en fin de cuisson, donc on y rajoute quelques pétales de coquelicot pour terminer, pour qu'on ait quelques pétales bien en visuel dans le confit. Voilà, ça y est, il est cuit, plus qu'à le mettre en pot. La liqueur au coquelicot de Nemours est une liqueur à 18 degrés. C'est une liqueur qui sert généralement beaucoup pour les cocktails en apéritif. Et puis, il est utilisé aussi en pâtisserie pour faire des crèmes brûlées, incorporées dans des tartes. Nous découvrons en fait avec les chefs à qui nous confions nos produits une multitude de recettes toujours plus innovantes les unes que les autres. Des produits qui inspirent et font le bonheur des chefs et des cuisiniers amateurs. Il est d'ailleurs temps pour moi d'aller rejoindre Frédéric Cassel, artisan pâtissier chocolatier à Fontainebleau, pour cuisiner une tarte qui s'annonce extrêmement gourmande. Bonjour Julie, comment ça va ? Je suis en pleine action, tiens regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. Bon, cela dit, tu en avais peut-être déjà chez toi, la liqueur au coquelicot. Alors je connais, parce que c'est quand même un produit régional. Bah oui, j'imagine. Je la travaille beaucoup, parce qu'en fait, il n'y avait rien à Fontainebleau en spécialité pâtissière. On a une spécialité fromagère qui s'appelle le Fontainebleau, mais en gâteau, on n'a rien. Donc c'est vrai que j'ai travaillé, moi j'adorais les bonbons, enfin, ça c'est un péché mignon d'enfance. Ouais, je vais les goûter, tiens. Et pour moi, la pâtisserie, c'est toujours un retour à l'enfance, toujours un souvenir, la tarte à la rhubarbe de ma grand-mère, voilà, des choses c'est comme vrai, ça. Et ça, le coquelicot, je trouvais ça impressionnant à travailler. Alors là, aujourd'hui, on va utiliser le bonbon ou la liqueur ? On va utiliser les deux. On va donner le croquant avec le bonbon et la liqueur pour donner comme le soyeux. Comme des pralines. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuit un fond de pâte sucrée à 170 degrés pendant à peu près 20 bonnes minutes. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment bien cuit.
Surtout que tu ne vas pas recuire les fruits, j'imagine. Surtout qu'on ne va pas recuire quoi que ce soit. On va faire une ganache. Voilà. Donc on va faire une ganache à base de chocolat blanc. Ouais. Et de crème. Donc on va faire bouillir notre crème. Ça ne présente pas à Fontainebleau, hein, c'est recette de professionnel. Ouais. Attention. On va se servir aussi du fromage qui s'appelle le Fontainebleau. Ouais, ça je connais. Tu connais ? Alors c'est fait avec quoi ? Et c'est fait avec du fromage frais et de la crème montée. Voilà, mais à la base c'est quand même de la crème. Alors l'histoire du Fontainebleau, c'est quoi ? C'est pendant la guerre, en 18e à peu près, les carrioles venaient à Fontainebleau amener le lait. Et tu sais, dans les grands bidons, en fait, ça n'arrêtait pas de remuer. Ah, ça en fait, quand on ouvrait le battage, pot, voilà, ça faisait une sorte de battage, comme on bat une crème. Mmh. Donc, en fait, quand on ouvrait le pot, on avait une sorte de mousse de lait, de crème, enfin, un nuage qui de lait, voilà, qui affleurait. D'accord. Et on a récupéré ça dans une dans une gaz. Beau, je connaissais pas et c'est cette voilà. Et je trouve que l'histoire déjà est belle, voilà. Ouais. Mais normalement, c'est que de la crème battue. Ah bon ? Voilà. C'est que de la crème battue. Mais tu vas la battre après, hein. Mais priorité à la préparation de la ganache. On porte à ébullition de la crème liquide pour la verser ensuite sur le chocolat blanc. Une fois bien émulsionné, Frédéric ajoute la liqueur de coquelicot. Ça, bah après, tu vas le couler directement dans la... Directement, voilà. Ça va figer au froid. Ça va figer. Alors, surtout pas au froid. Moi, je conseille de faire ça une bonne heure avant. D'accord. Et de laisser figer comme une ganache, en fait, ambiante. À température ambiante. D'accord. Parce que le froid va bloquer les parfums. Voilà. Donc ça, on va laisser comme ça et on va attendre une heure. Ça, c'est magnifique. Et là, on va préparer notre Fontainebleau. Voilà, la crème, on la sort du frigo. Oui, bien froide. Pour qu'elle soit bien froide. Alors, le but, c'est de faire un tchac-tchac comme ça. Voilà. Eh, dis donc, hein. Ça swing à Fontainebleau. Moi, mon maître d'apprentissage me dit, il faut que ça fasse tchac-tchac, comme une course de chevaux. À toi. Ah oui, non, mais moi, j'ai des bras de sauterelle. Hein, oui, en fait, il faut faire un 8. Ah, c'est pas mal, quand même. Hein. Ouais, c'est le côté musical. Il y a le côté musique, là. Bon, allez, voilà, c'est fait. J'ai apporté ma contribution. Ah ouais, quand même. Non, c'est vrai que là, il n'y a pas photo. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop monté. Eh oui, parce qu'après, ça tourne au beurre. Voilà, hein. Ça tourne au beurre. Et en fait, il faut que ça fasse un bec d'oiseau. On est bon. On est bon. Mais pour l'alléger, Frédéric préfère ajouter un peu de fromage blanc. Puis la réserve au frais. La ganache devant encore figée, je file noter à l'ombre du saule pleureur cette recette pâtissière. Pour une tarte aux framboises et coquelicots comme Frédéric Cassel, réalisez ou procurez-vous un fond de pâte sucrée, 50 cl de crème liquide, 150 g de fromage frais battu, 200 g de chocolat blanc, 20 g de liqueur de coquelicot, 250 g de framboises et des bonbons de coquelicot que Frédéric concasse à l'ancienne. Alors que le fond de tarte est tapissé de framboises, nous pouvons l'ornementer davantage encore, avec élégance, s'il vous plaît. Oh, dis donc, attention, tu nous fais une virgule. Alors là, tu as une douille qui est douille à Saint-Honoré, voilà. Douille, ah, ça s'appelle douille à Saint-Honoré, je ne savais pas. C'est avec ça qu'on fait les Saint-Honoré. D'accord. C'est joli, dis-moi. Oui, voilà. C'est sûr que moi, j'aurais mis une bonne grosse louche que je t'aurais étalée. Tu fais ? Ouais. J'ai jamais utilisé cette douille, hein, donc... Alors... Allez. Et viens mourir, hop, voilà. Viens mourir. J'ai jamais utilisé, c'est parfait ça. Ah, attends, non, regarde. Sur le milieu, comme ça tu vas revenir dessus. Ça, ouais. Voilà. Hop, comme voilà. Ça. Ouais. Et après on fait un alors, petit spoon au milieu. Vas-y, oui. Fais-moi une belle rosace. Oh, une belle rosace, tu vas pas être déçu. Hein. Hop. Ouais. Parfait. Ça va comme regarde. Ça ouais, ouais. Ça se défend. On va décorer avec 2-3 framboises d'accord. Dessus. Et nos bons becs. Et les bons on va les parsemer d'accord. Sur notre crème. Pour que ça croque. Voilà. Je fais n'importe vas-y, quoi, là. Ouais, je vais, il faut en mettre un petit peu partout. À la sauvage. Voilà. Oh, c'est vrai que c'est tout d'un coup, ça illumine ton ça dessert. Ça donne un côté brillant ouais, au dessert, c'est voilà. Vrai, t'as raison, il y a des petits bijoux, des petites pierres précieuses. C'est une belle idée. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à déguster. Hein. Eh ben, écoute, c'est pas de refus. Non. On va se faire ça dehors. Ouais, jardin. Allez. Fait beau. Allez, ouais. On emmène. Regarde, on va s'installer là. On est parfaitement faites bien. Faites formidable. Face au jardin. Tiens. C'est magnifique. Je regarde toutes ces textures là, ça fait envie.
Donc c'est vrai, ce nuage-là, c'est vraiment quand même très léger. Voilà, c'est pas de la chantilly. Mais dis-moi, on n'a pas mis de sucre. Non. C'est le chocolat qui est sucre. Ouais. Il n'y a pas besoin. Hein. Tu as déjà la pâte sucrée. Tu as un petit peu la liqueur. Tu as les framboises qui sont sucrées. Ouais, pourquoi rajouter sucré, encore finalement. Du sucre? En fait, c'est vrai que la pâtisserie a beaucoup évolué depuis quand même certaines années. Parce qu'on désucre beaucoup de choses. Pourquoi en rajouter alors qu'on a déjà... Autrefois, le sucre était un conservateur aussi. Aussi, tout à fait. Oh, écoute, moi, je ne peux pas m'arrêter. C'est sublime. Tu vas nous en faire une pour demain? Ah ben, j'espère bien, oui. C'est le but. Bon ben, écoute, j'en rêve. Parce qu'on va tous se retrouver à la ferme Saint-Gervais à Dormel. Oui. Pour goûter d'ailleurs encore d'autres spécialités. Mais j'aimerais bien que ton dessert soit le dessert emblématique. Tout à fait. Et du pays de Fontainebleau et de mon périple à moi. Parce que c'est vraiment irrésistible. Naturel régional du Gâtinais. Le Gâtinais, au départ, c'est un comté de France, à cheval sur quatre départements, le Loiret, l'Yonne, l'Essonne et la Seine-et-Marne, où nous nous trouvons. Alors, il y a une très riche biodiversité, on est au cœur de la forêt de Fontainebleau, et on y trouve beaucoup de produits alimentaires, le lapin du Gâtinais, si vous en avez entendu parler, l'amande de Milly-la-Forêt, où on peut visiter également la maison de Jean Cocteau. On trouve du cresson, du safran, une culture qui remonte très loin, qui avait quasiment disparu et qui est en train de revenir en force, et le miel du Gâtinais. C'est une des spécialités locales, forcément, quand on voit cette flore incroyable. On va rencontrer Thierry, qui est un apiculteur, qui est en train de terminer la récolte du miel d'acacia et qui va commencer celle de châtaignier. Il va nous expliquer toutes les étapes de la fabrication de son miel. Épris par le métier d'apiculteur depuis 25 ans, c'est en tant qu'amateur que Thierry a débuté sa carrière, en menant en parallèle le métier d'éducateur spécialisé. Mais depuis 10 ans maintenant, il a fait du miel, sa vie à temps plein. La production de miel reste extrêmement artisanale. Et pour travailler ces 300 ruches, qui produisent 7 à 10 tonnes par année en fonction de la météo, il faut répéter le même rituel, fabriquer une fumée blanche et épaisse. Alors la fumée, quand les abeilles sentent la fumée, elles pensent qu'il y a le feu hein, dans la forêt. Et donc ça, le feu, ça leur fait peur, parce qu'elles n'ont pas de réponse. Et quand elles sentent la fumée, elles redescendent dans la ruche pour manger du miel, pour se calmer, tellement qu'elles ont peur. Et donc le temps qu'elles fassent cette descente, eh ben, moi je peux m'occuper d'elles, prendre les cadres sans trop me faire piquer. Il s'agit de faire en sorte d'avoir des miels de cru. C'est des miels d'une plante spécifique. Si on laissait toutes les hausses s'accumuler, on aurait un miel toute fleur. Donc à chacune de ces récoltes, eh ben, il faut enlever tout ce qui était de la plante précédente et replacer des hausses vides pour que les abeilles suivent les floraisons qui succèdent. Ce sont les essences environnantes qui, par nature, définissent le goût de chaque cru. Ici, on retrouve l'aubépine, l'acacia, le châtaignier, le tilleul, la bruyère, le reste étant laissé aux abeilles, leur carburant pour passer l'hiver. Plusieurs miels, mais aussi plusieurs races d'abeilles. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que sur mon cheptel, je repère les deux ou trois meilleurs hein, et je vais faire un élevage de mes meilleurs. C'est-à-dire que je fais les reines, les filles de mes meilleurs, et donc c'est comme une sélection. Hein. Les critères que je garde, c'est le miel, bien sûr, la douceur, pas d'agressivité. Et donc chaque année, j'améliore comme ça ma génétique. Mon capital, ce n'est pas le miel, mon capital, c'est mes abeilles. Et je dirais même que quand on est un vrai apiculteur, le souci, c'est de prendre soin de la santé de ses abeilles. Le pollen est lui aussi collecté, trié, conditionné et vendu congelé pour qu'il garde toute sa saveur et ses propriétés nutritionnelles. Direction la miellerie pour procéder à l'extraction du précieux nectar. Chaque cadre est désoperculé avant d'être placé dans la centrifugeuse. Donc, ça va tourner très très vite et tout le miel va se projeter sur la paroi. Le miel est ensuite acheminé par une pompe vers le maturateur où il est filtré avant d'être mis en pot. Ça, c'est le moment que j'attends toute l'année. Hop, et voilà. Voilà, donc le miel d'acacia transparent. On voit bien comment ça brille, quoi. Il faut qu'il soit
le plus lumineux possible. Quand il est jaune un peu, c'est que c'est moins bonne qualité. Mais là, vraiment bonne qualité. Bien, bien blanc, bien transparent. Du producteur au consommateur, puisque Thierry a ouvert une boutique où l'on retrouve ses miels au goût de terroir. Clair et crémeux pour l'acacia, rond pour le châtaignier, visqueux et étonnant pour la bruyère, un miel plus rare puisqu'il se récolte tous les 3 ans. Nous voilà partis pour notre banquet. Ça tombe bien, j'ai temps. On va à Dormel, à une petite vingtaine de kilomètres de Fontainebleau, à la ferme Saint-Gervais, qui est tenue, enfin plus que tenue, qui a été même rénovée, réhabilitée, reconstruite par Karine et Bernard. Bernard, je crois qu'il est de la région, Karine est belge. Ils se sont consacrés à ce bâtiment et aujourd'hui ils le louent pour des événements, un peu comme nous, sauf que nous, on est invités. Et ça tombe bien parce que Karine est férue de cuisine, et notamment de recettes anciennes. Et je crois même qu'elle va nous pêcher des écrevisses de son étang pour les cuisiner selon une recette médiévale. Enfin, c'est ce qu'elle m'a promis. Maintenant, tout dépend de la pêche. Voilà la fameuse ferme qui vous a demandé tant d'années de travail. Absolument. C'est magnifique, c'est gigantesque surtout. 12 ans, oui, 12 ans de rénovation. 12 ans de rénovation. C'était vraiment une ruine Oui. Oui, on peut le dire. Il était vraiment temps. Alors, restauration dans l'esprit de l'époque, mais c'est quoi l'époque de la ferme? Alors, ça part du 11e à la base. Mais la majorité des bâtiments sont quand même 15e. Et puis après, remanié au 18e. Et puis après, 19e, 20e. Puis remaniée au 21e et remaniée, siècle. Parce que là, elle est toute neuve. Et donc, oui, elle est même 21e, on va dire. Ah, on va pouvoir déjeuner dans le jardin. Absolument. Ou sous la rêle, ou au jardin, selon la température. Bah alors, le déjeuner va dépendre un peu de la pêche, si j'ai bien compris. Absolument. Pêche aux écrevisses. Oui. C'est vous qui allez pêcher? Non, vous allez y aller avec mon mari. Ah bon, d'accord. Chacun sa spécialité. Voilà. Avec vous, je cuisinerai. Tout à fait. Pour notre partie de pêche aux écrevisses, je chausse des bottes gentiment prêtées par Karine. Direction l'étang, une promenade bucolique et un dépaysement assuré, incroyable à 1 heure de Paris. Ah oui, c'est la Camargue là, carrément. C'est un safari que vous me proposez, c'est pas une pêche. Et nous rejoignons Bernard, le pêcheur de la famille, déjà au boulot. Quel bonheur cet endroit, bonjour. Alors là, vous pêchez des écrevisses à la ligne? Non, entre les deux. J'ai posé mes balances tout à l'heure. Vos balances, c'est-à-dire? Les balances, je vais vous montrer, là, on va les lever. On fait comme ça, on lève le plus vite possible. Ouais. Oh là, dis donc, il y a quelque chose là-dedans. Ah oui, oui. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Vous avez mis quoi, un pied de cochon? C'est un pied de cochon. Non. Oui. Ah oui, parce qu'elles sont carnivores. Absolument. Moi, j'avais déjà pêché avec du foie de porc, justement. Alors ça, ce sont des autochtones ou ce sont des écrevisses américaines? C'est de l'américaine. C'est de l'américaine. Voilà, c'est des écrevisses. Qui a un peu colonisé nos rivières, d'ailleurs. Absolument. C'est pas méchant. Hein. On va essayer Loute, si tu savais comment tu vas finir. Alors, on prélève que celle-ci. Que celle-ci, c'est-à-dire? Parce que c'est la plus belle, venez voir. Ah bon, les autres, vous les remettez à l'eau? Oui, absolument. Les juvéniles, vous les pêchez pas? Et de là... Là, vous avez votre petite réserve, d'accord. Voilà, de là, on les met. Ah oui, il y a quand même ce qu'il faut, déjà. Elles sont belles, hein? Elles ont un sacré calibre. C'est magnifique, ouais. Incroyable. C'est des langoustes. Les plus grosses font 200 grammes. Oh, c'est énorme. Regarde ça. On peut manger les pâtes? Ah oui, absolument. Oui. Magnifique. C'est super, hein? J'en ai rarement vu des comme ça. C'est amusant. Ouais. Ah bah oui. Bon, j'en ai d'autres, on va les lever, vous allez voir. Allez, c'est parti. Il y a peut-être des grosses. J'aime bien les pêches prolifiques, moi. Là, il faut tirer en même temps là-dessus. Ah, oh, il faut tirer là-dessus, d'accord. Ah, il faut vraiment aller chercher un petit peu loin. Ok. Là, prendre le bouc, c'est... Okay. Ça va? Ah oui, pour pas... Oui, là, je me suis... Bah là, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. C'est la première fois, comme par hasard. Et heureusement que ça arrive, quand même. C'est tombé sur moi. Comme quoi, l'émission n'est pas truquée. Écoute, en même temps, on en a suffisamment, non? Oui, bien sûr. Pour déjeuner, ça suffit largement. Allez, on va rapporter la bourriche à Karine. Le plat du jour, c'est quoi là?
recette? C'est une grave d'écrevisse. Grave d'écrevisse? Oui, c'est une recette médiévale. Et dis-moi, alors, du coup, comment ça se cuisine? En gros, c'est alors, quoi le principe? Le principe, c'est d'abord, on va devoir châtrer les écrevisses. Oui, forcément. Voilà. Après, dès qu'elles sont châtrées, immédiatement, on va les mettre dans l'eau bouillante. Mmh. 2 minutes. On ne peut pas les châtrer après les avoir ébouillantées? Non. Ça ne marche pas? Non, parce que ça communique un goût qui n'est pas très agréable, donc d'accord. Il vaut mieux les châtrer avant. Mmh. Et avant, ça part tout seul. Une fois cuit, ça ne part plus. Oui, c'est vrai, voilà. Malheureusement. Voilà. Bah, je vais regarder ta technique d'abord. D'accord. Hein. Donc, on prend la nageoire du milieu. Ouais, de la queue. De la queue. Et on tourne comme ça. Oui. Et on tire pour avoir tout le boyau, en fait. Ah, c'est ça, c'est le boyau. C'est comme pour les crevettes. Ouais. Exactement. Alors, moi, ce que j'aime, c'est prendre les queues, les fendre en deux, ouais. Les poêler 30 secondes, nature, et éventuellement... Je ne veux pas dans cette recette. Elle m'a pincée. En même temps, je comprends qu'elle se défende. Ah oui, c'est pas très agréable ce qu'on leur fait. Ben, j'attaque la grosse. Elle me regarde, elle me regarde. Ah, ça, c'est... C'est sûr que c'est là où on mesure le courage culinaire. Ah. Oui, c'est vrai que ça rebute beaucoup de gens. Ah, j'ai pas le temps. J'ai une sorte de trauma d'écrevisse. Bon, écoute, je vais finir. Tu veux pas que je prépare le reste? Je vais finir. Je mixe les amandes afin d'obtenir une poudre la plus fine possible. Alors que Karine, qui est venue à bout de sa mission dangereuse, ébouillante les écrevisses, seulement 2 minutes à partir de la reprise de l'ébullition. Elles sont donc mi-cuites pour les faire revenir ensuite à la poêle. Elles ont pris une belle couleur rose, là. Voilà. On les jette alors dans une eau glacée pour stopper leur cuisson, puis charge à nous de les décortiquer. Alors, allons-y, donc, deuxième étape. Plus, elles n'ont plus de passer. Là, ça va, là, je veux bien m'y soumettre. Dis donc, elles sont belles, ces queues, hein. Et voilà. Finito. Là, on a vraiment de quoi manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos têtes? Alors, je vais te montrer. Tu vas chercher à l'intérieur? Voilà. C'est ce qui va te faire ta bisque. Voilà. Hop là. Âme sensible, s'abstenir hein, pour cette recette. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ça dans le mixeur avec les amandes. Ah, je remixe avec les amandes, oui, d'accord. Voilà. Pour tout mélanger. Voilà, voilà. Oui, là, c'est vrai que c'est un réservoir de goût, ça. C'est dommage de le perdre. Pour allonger notre mixture, nous y ajoutons un peu d'eau de cuisson des écrevisses avant de passer le tout à la casserole avec du verjus, le jus acide extrait des raisins n'ayant pas mûri, l'une des signatures médiévales de la recette. Oui, tu vas pas de main morte. Donc là, ça va apporter de l'acidité. Tout à fait. C'est le rôle du vin blanc éventuellement qu'on aurait pu utiliser. Mais à l'époque, c'est vrai que le verjus était beaucoup plus courant. Alors là, on va mettre un bâton de cannelle. Oui, qu'on va faire infuser comme ça. Voilà. On va mettre du gingembre. Mmh. On va mettre une petite pincée de sucre. En même temps, c'est très simple, hein, et c'est très sain. Oui, tout à fait. Ça me rappelle un peu la cuisine espagnole, du sud de l'Espagne, où on utilise beaucoup les amandes comme base pour épaissir les sauces, les soupes. Oui. Notamment le gazpacho à l'ail. Et c'est vrai que c'est probablement un héritage arabe, puisque ce sont les Arabes qui ont amené et le sucre et les amandes chez nous. Donc, il y a la même souche. Mmh, ce sera bon. Très bon. C'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Alors, pour être honnête, je n'aurais pas suivi la recette, je serais incapable de dire ce qu'il y a dedans. Mmh. Peut-être les amandes, parce qu'il y a un côté un peu granuleux. Ah ouais, ça, c'est très agréable. Puis je dois dire qu'il y a quand même une vraie satisfaction à savoir qu'on les a pêchés dans voilà, les temps de la maison. Sorte de l'eau. C'est pas pareil. Tout à fait. Pour ne rien perdre de cette recette tout en subtilité, prenons en note ce voyage gustatif et dans le temps. Pour réaliser un grave d'écrevisses comme Karine, il vous faut 3,5 kg d'écrevisses, si possible vivantes, 300 g d'amandes, une demi-cuillère à café de gingembre moulu, un bâton de cannelle, 15 à 20 cl de verjus, 30 g de beurre, une bonne cuillerée à soupe de sucre et du persil. Tiens, je vais te filer un petit coup de main. À volontiers. Hey, bonjour les amis. Mais pour l'instant, l'heure du banquet a sonné. Frédéric de la tarte aux framboises arrive en même temps que Jean-Michel et son épouse Françoise, les bras chargés de caillots raisins. Hubert, le tapissier horloger, Marie-Laure, rencontrée dans le château, et Thierry, l'apiculteur, leur emboîtent le pas. Bonjour Thierry. Oh là là, j'adore le pain d'épices.
Oh, c'est merveilleux. Fait maison. Tout au miel. Tout au miel, il n'y a pas de sucre. Oui, et pas de matière grasse non plus. Le vrai pain d'épices. Voilà, exactement. Hein? Denis, qui transforme les coquelicots, nous rejoint avec une amie, Yvette, qui compte elle aussi nous faire découvrir l'une de ses spécialités dont elle détient le secret, le sucre d'orge traditionnel. Vous nous avez apporté quelques douceurs aux coquelicots. Tout à fait, les coquelicots et les sucres d'orge avec Yvette. Le sucre d'orge originel, alors, c'est ça, tout à fait, le véritable sucre d'orge. 1638, c'est très impressionnant, ça. Magnifique. En berlingot et en bâton. Quand je pense qu'il y a encore une demi-heure, elles étaient en train de me pincer les doigts. C'est du frais, hein. Alors là, on est transporté dans le temps, aux origines du château, au Moyen-Âge. Un franc succès, vite dévoré. Mais pour nos gourmets, pas une seconde de perdu. La suite des victuailles arrive déjà. Voilà, Julie, les cailles impériales. Ah, oh, magnifique. Et alors, Julie, ce matin... Oh, magnifique, ça. J'allais cueillir quelques fleurs de bourrache et autres. C'est voilà, magnifique. Voilà, nous avons mis le jardin à contribution. Oh, hein. Les soucis, la bourrache. C'est superbe. Non, pas de soucis aujourd'hui. Non. C'est du plaisir. Alors, qu'as-tu mis dans ces galettes de pommes de terre? Il y a des champignons aussi, non? Alors, il y a des champignons. Oui, je te sers. Des petits oignons rissolés. Et puis, des pommes de terre. Merci. N'est-ce pas? Non, ça vaut mieux. C'est comme au restaurant, là. Hein. Il y a du fromage aussi, non? Oui, il y a un peu de fromage. Et alors, figurez-vous que dans cette sauce, il y a du miel, du Gâtinais, évidemment, de Thierry. Voilà, je ne sais pas si c'est de l'acacia, oui, parce que là, acacia. J'imagine que le châtaignier, là, ce serait un peu fort. Oui, ce qui est bien avec l'acacia, c'est que ça se marie avec tout. Avec tout, tu as et raison. Ça se cuisine facilement parce qu'il est toujours liquide. Et le miel, on faisait du miel aussi? Il y avait des ruches, ou il y en a peut-être toujours d'ailleurs, à Fontainebleau? Alors, on vient de réinstaller une dizaine de ruches au château. Et donc, on a fait notre première récolte de miel l'année dernière. Donc, à la boutique du château, on peut acheter des petits pots de miel. C'est quoi, c'est un miel de fleur? Ça doit être un miel de tilleul. Effectivement, on en ce moment... Oui, parce qu'il est abondant. Tout, ouais. Tout ce qui est château. Tout le château, c'est toujours des arbres. Tilleul, et en ce moment, il suffit d'approcher du château pour sentir cette odeur sucrée. Mais finalement, il y a beaucoup de produits dans la région. Moi, j'entendais parler du lapin du Gâtinais aussi. Oui, il y a une poule du Gâtinais. Il y a une poule du Gâtinais, c'est vrai. Il y a de la bière du Gâtinais. Il y a de la bière du Gâtinais. Ouais. Mais il y a vraiment des plats typiques de la région ou est-ce que c'est surtout les produits? C'est des produits. Il y a beaucoup de produits, mais il n'y a pas de plats typiques. Oui, ou comme en Bourgogne, pas très loin d'ici, où ils ont la gougère, par exemple, qui est aussi quelque chose de très traditionnel. Jean-Michel, elles sont délicieuses, vraiment. Oui, très, très bon. Toujours par la cerise sur le gâteau. Mmh. Alors là, c'est pas des cerises. C'est la framboise. C'est framboise, wow. c'est macaron, c'est voilà, on finit par des douceurs. Donc la tarte au coquelicot avec tes bonbons, avec ton arôme. Ganache au coquelicot de Nemours, le Fontainebleau dessus. On va revisiter un petit peu le dessert. Mmh. Oh, si vous voulez aussi, magnifique. Ah oui, moi je veux bien. Allez hop, après, dessus c'est marqué RM, c'est religieuse de Moret en fait. Sur chaque petit berlingot. C'est bon. On a l'habitude de bonbons qui ne sont que sucre. Là, on a un vrai arôme, il y a une douceur. C'est pas du tout, le sucre n'est pas prenant. Alors, donc, c'est la décoction d'orge. Et c'est aussi le fait que on cuit encore à l'ancienne dans un tout petit cul de poule qui rentre dans le four, un four en brique et de terre, au thermomètre à sucre. Donc, ça cuit à l'ancienne et donc il y a le petit goût. À l'air, on va dire, qui est caramélisé. Voilà, caramel, c'est ça. C'est très, très bon. C'est plaisant. C'est agréable, non? Ouais, c'est très bon, ça. Ça fait vraiment la différence avec les bonbons industriels. Et alors, cette boîte avait disparu, elle faisait partie du musée du sucre d'orge. Et on a relancé, en fait, on a refait faire la boîte à l'identique, avec les mêmes mentions. Et cette boîte a une histoire, puisqu'elle avait été offerte au pape Léon XIII. Moi, je dis qu'un pays où il y a un musée du sucre d'orge n'est pas tout à fait perdu. Je pense que c'est vraiment un très bon signe pour l'avenir. Voilà. Oh, cette tarte à mourir. La crème, en fait. Alors, est-ce que vous allez un peu à Paris les uns les autres ou est-ce que vous vivez complètement détaché de la capitale? Moi, j'y vais. Moi aussi, j'y vais. C'est tout près. C'est tout près, c'est à combien de temps? 40 minutes en train. Ah bon? Il y a un train le week-end qui s'arrête en forêt. Oui. Pour les gens qui veulent marcher en forêt. Ah bon? Tous les Parisiens qui viennent. J'ai appris ça l'autre jour. Entre Bois-le-Roi et Fontainebleau, il y a un arrêt en forêt. Donc ça, c'est top, ça, parce que tous les marcheurs viennent là. Ils font des lâchettes de Parisiens tous les week-ends. C'est pas des Parisiens. Ils sont en fusil?
Ça marche avec l'ouverture de la chasse. Oh là là là. Mais non, c'est une blague. Hein. Il faut qu'on parte, regarde. On aura bien rigolé en tout cas. Mais bon, faut se rentrer, c'est toujours un peu triste. On va quitter cette terre qui cultive les bons produits, l'art de vivre, c'est le moins qu'on puisse dire, l'image du bonheur, mais aussi les vieilles pierres et surtout l'amitié et la convivialité. Et puis comme dirait Frédéric, pour goûter le Fontainebleau, faut venir à Fontainebleau. Voilà, c'est un peu d'ailleurs le mot d'ordre pour toutes les régions qu'on a visitées. Déplacez-vous, venez rencontrer ces gens, goûtez ces produits et essayez de capter un petit peu de l'âme de chacun de nos pays de France. Salut. Non, les coquelicots. On présente un bouton de coquelicot et on dit alors coque, poule ou poussin. C'est ça. Je serais bien curieuse de goûter une de vos carpes, parce que moi j'ai essayé de pêcher les carpes de mon étang, mais c'était drôlement dégueulasse. La doublure. Non mais c'est bien, ça fait les muscles. Eh, on s'est fait chier, mais ça valait le coup. Là franchement, la respect chef. La fin justifie les moyens.